متابعي قناة تعليم الابتدائي والأساسي الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثالثة. أقدم لكم اختبار ونموذج تقويم في الفرنسية الفصل الثاني، تابعوني. Le chat et les souris. Le petit chat rusé est caché sous les buissons. Il guette les souris qui passent sans bruit près du cerisier. Puis d'un bond, il surgit et essaye de les attraper. شرح هذا النص تجدون في رابط في صندوق الوصف. Compréhension de l'écrit. De quel animal parle ce texte? Où se cache-t-il? Je coche la bonne réponse. Les souris passent près du citronnier, cerisier, pommier. Fonctionnement de la langue. Je cherche dans le texte un pronom personnel, un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif, un adjectif qualificatif. 2. J'entoure l'adjectif qualificatif qui convient à une poule, blanc, blanche. B. Un petit, petite, chat. C. Des animaux, domestiques, domestiques, avec S. 3. Je complète les mots par un homme, un poisse, une coupe, un coche. 4. J'entoure le préfixe dans chaque mot, incomplet, refaire, déranger. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif A. Le chat bondir sur les souris. B. Les souris se cachent sous les buissons. رابط الحل تجدونه في صندوق الوصف. Production écrite. J'écris deux phrases pour décrire le cheval. J'utilise la boîte à mots. Nom, cheval, animal, avoine, l'écurie, les verbes, et, se nourrir, vie. Adjectif qualificatif, domestique, brun, noir, marron. إذا أعجبك الفيديو اشترك في قناتنا، شغل زر الجرس ليصلك كل جديد، ادعمنا بإعجاب، شارك فيديوهاتنا مع زملائك. في الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى لقاء قادم.